Et bien salut à tous et à toutes, c'est LipsyCatwin et aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir sur Monster Hunter 3 Ultimate pour l'épisode numéro 12 il me semble. Donc comme d'habitude je ne suis pas seul. Wesh négro. Bon alors oui c'est toujours à Lara sauf qu'elle a fait un petit peu de chirurgie esthétique, elle a changé de sexe, de nom et puis elle a farmé comme un porc. Non je déconne, c'est mon gros perso cheaté, cheaté entre guillemets, parce que c'est pas le meilleur perso qui existe au monde. Mais voilà j'ai pas mal d'armes cheatées et tout, je perds ma cheatée du cul. Et pourquoi c'est avec lui qu'il a pompé. Le jeu. Ouais, j'ai poncé le jeu avec ce perso. Hein. Franchement, je l'ai rushé en 50 heures, j'avais fait tous les monstres. J'avais fait le solo et le multi, à peu près. Donc j'ai vraiment poncé le jeu, je suis presque à 200 heures de jeu, je crois, avec lui. C'est pas beaucoup, mais voilà. Alors pourquoi on se retrouve ici? C'est parce que là, on est en multijoueur, mais je suis tout seul. Alors j'ai 2-3 choses à vous expliquer avant de partir en quête. Déjà on va bouffer. Pourquoi je suis pas avec Lara? Parce que le jeu entre guillemets me saoule. Pourquoi? Parce que c'est un peu le même que Monster Hunter 3 en fait. J'avais beaucoup accroché à Monster Hunter 3, mais comme il y a pas ça vraiment, ça m'avait pas dérangé de recommencer. Ouais fait. Voilà. Et surtout qu'il y a, et là il y a pas vraiment de différence par rapport au 3. Bon il y a des monstres en plus, il y a des armures et tout en plus, c'est bien, c'est cool. Mais le principe du jeu reste le même. Alors vous allez me dire ouais Monster Hunter 4 aussi ça sera pareil. Oui mais le gameplay va être différent. Voilà le gameplay va totalement ça changer. Ça va rester sur la même base mais il va y avoir des différences au niveau du gameplay. Voilà et donc là le souci c'est que de recommencer ça me pète les burnes, voilà tout simplement. De recommencer tout à zéro ça me les brise, donc du coup Lara on la verra plus je pense, donc du coup ça va vous faire de nouvelles ouvertures hein, puisque écoutez on va pas vous laisser comme ça en plan. Donc les monstres multijoueurs étant plus durs, je vais faire les monstres en multijoueur, mais pareil hein, ça sera le même ordre mais sauf que je serai avec un autre perso, ce sera plus dur. Et puis je pense que c'est mieux marrant de voir des nouvelles armes, enfin des bonnes armes et des trucs intéressants plutôt que de se faire poutrer. Bon je risque de poutrer le mob mais on en fera plusieurs en un épisode, on fera des longs épisodes aussi surtout. Puisque du coup voilà on pourra faire plus de choses plus vite. Ça va nous ouvrir enfin on va pouvoir, je vais reprendre les défis du coup, on sera avec ce personnage donc on va reprendre les défis. Je ferai une nouvelle intro digne de ce nom. Pas tout de suite hein. Pas tout de suite. Calmez-vous hein. On va attendre de faire quand même plusieurs monstres. Je sens la sève qui monte en vous mais calmez-vous, ce n'est pas tout de suite. Donc vous voyez vraiment il y a beaucoup de monstres. On va commencer à partir de ici parce que à l'aventure en gros on en est ici. Donc après vous voyez il y a tous les rangs hauts et les rangées. Donc franchement on va vous montrer tous les monstres. Ouais il y a le temps, il y aura beaucoup d'épisodes. Donc du coup forcément, voilà. Au début ça va être facile mais vous allez voir qu'en multi vu que les monstres sont bien plus durs puisqu'ils sont censés être faits à plusieurs, là au bout d'un moment il va en chier hein. Oui au bout d'un moment je vais grave en chier. Donc voilà bah écoutez je vous passe mon frère. Oui. Oui, alors oui, on a un petit gameplay à la lance-flingue, voilà. Ouais. Alors, vous allez dire, ouais, mais ça va être trop facile, tu vas les démonter, t'as le plus gros stuff du jeu, car oui, c'est un des plus gros, c'est un des plus gros stuff, je crois. C'est le Gen Moran légendaire, c'est le stuff Gen Moran légendaire, plus la lance-flingue Myrillis, donc le plus gros monstre. Et j'en prends qu'un. Ouais, on ne cheat pas, hein, on fait comme si on était en solo, normal. Alors, vous allez dire, ouais, ça va pas être marrant, tu vas le démonter, tu vas le mettre à genoux, tout ça. Oui et non, parce que franchement. Il faut que je me rentraîne, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué avec. Ouais. Voilà, c'est déjà fait. Non, mais c'est pour recharger et tout, il y a des combos aussi, faut que je m'en souvienne. Ne me blâmez pas trop, ça fait longtemps que j'ai pas joué à la lance-flingue, donc voilà, ne me blâmez pas trop si je joue comme une merde. Mais j'avais envie de changer au niveau du gameplay, j'avais envie de vous montrer d'autres armes. En fait. Oui, alors pourquoi tout simplement on fait ça? Donc Flo, mon frère, vous a très bien expliqué, c'était un peu pénible de tout refaire. Et vous l'avez remarqué, il y avait beaucoup moins de vidéos, et ouais. J'avais moins le goût de tourner, alors que là, avec ce perso, mais je veux vous tourner 10 épisodes à la chaîne. Quoi. Comment ça tu bloques? Oui, il est super bien maintenant, enfin, à l'arrière c'est très bien. Ah d'accord. D'accord. Alors... Ouh, ouh, ouh. Bon d'accord, il ne fait strictement rien aussi. Oh t'étais bloqué là. Attends, bon là ça se voit il est énervé par exemple. Ah, ouais, il quand il change de couleur tu vois c'est pas très bon. Donc soit en fait bah oui il a chié une merde qui explose. Alors donc oui c'était ouais c'est vrai on avait beaucoup. Pardon. Donc, Monster Hunter 3 on avait vachement accroché, pas de soucis, on reprenait, on refaisait l'histoire quand on voulait.
Mais aussi, il était beaucoup plus simple, Monster Hunter 3. Attention, beaucoup plus simple au niveau du farm. Ça veut dire que c'était beaucoup plus simple de faire une armure dans Monster Hunter 3 que dans Monster Hunter 3 Ultimate. Monster Hunter 3 Ultimate, il y a besoin de beaucoup plus de composants et surtout beaucoup plus rares les composants. C'est pour ça que c'est bien plus dur de le farmer en solo et en hors caméra, Monster Hunter 3 Ultimate, que Monster Hunter 3. Monster Hunter 3, c'était super facile. On faisait 2-3 fois le monstre et puis c'était bon. Là, il faut le farmer beaucoup plus de fois, le monstre. Et encore, il y a des composants qui ne s'obtiennent même pas sur le monstre en lui-même pour faire l'armure. C'est pour ça que c'est bien plus dur. Et que, d'autant plus qu'on a, on a 18 ans. On vient d'avoir 18 ans. Oui, ça a été notre anniversaire le 19 juillet. On a eu notre permis, on a eu notre bac, tout va bien. Donc forcément, on a encore moins de temps. En plus, à l'IUT, on va encore avoir moins de temps. Bon bref, ça on n'y est pas encore. Donc, revenir là, ça va être beaucoup mieux pour nous, comprenez-nous, de tourner avec ce personnage. C'est déjà beaucoup plus fun et tout est prêt. On a déjà toutes les armures et puis il a déjà beaucoup... Hein. Enfin, non, pas toutes les armures, mais on a déjà ce qu'il nous faut au niveau du stuff. Et attention. Oh, c'est ça. Et il a déjà des composants, donc ça veut dire que s'il lui en manque un peu pour faire l'armure, il refait au moins une ou deux fois le monstre, c'est pas grave, il pourra déjà faire des il aura déjà des composants à portée de main. Donc voilà, déjà en plus en solo il fallait qu'on farme, mais genre, enfin il fallait pas qu'on farme, il fallait qu'on fasse beaucoup de quêtes journalières pour débloquer les autres quêtes, c'était très chiant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de Monster Hunter 3 pendant... Je crois que ça fait 10 ou 11 jours hein, qu'il n'y a pas eu de Monster Hunter 3 Ultimate, bien sûr. Donc écoutez, je pense que ça sera mieux pour vous, d'autant plus qu'on va reprendre peut-être les hors-séries, peut-être, grâce à ça, grâce à ce personnage. Donc à mon avis, c'est beaucoup mieux pour vous visuellement parlant, parce qu'il y a du gros stuff, c'est beau. Bon là, tu te fais défoncer là. J'ai par contre. J'ai plus l'habitude de jouer avec les lance-flingues, c'est pour ça que j'ai un petit peu plus de difficulté. Mais faut que je m'en souvienne, je suis en train de me souvenir des combos là. Ouais. Ok, voilà. Donc je pense que visuellement parlant c'est beaucoup mieux pour vous de voir du gros stuff tout ça. L'aventure on vous laisse la faire par vous-même hein. On vous a déjà montré un gros bout, enfin un bout hein. Là c'est pas fini encore, hein. Y a tout qui reste à faire. Putain mais t'as l'air de te faire empoisonner hein. Et y a encore un gros bout qui reste à faire, on vous laisse la découvrir à la suite par vous-même, on vous a montré le plus facile. Ensuite ça va tout seul, hein. Faut pas croire, si vous avez le goût au jeu, ne vous inquiétez pas, ça va aller tout seul hein. Vous allez passer des heures devant votre Wii U, tout va bien se passer. Alors, ne revenez pas sur l'éternel débat, oui, Monster Hunter 4 ne va sortir que sur 3DS, tout ça, on s'est déjà expliqué à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'il va sortir sur 3DS, bref, que sur 3DS, du moins. Il va sortir sur 3DS, mais pas que, je pense. Bref, on va pas s'éterniser plus longtemps. Alors, vous remarquez encore qu'au niveau du son, il y a... Oui, tu te fais quand même... Faut pas déconner, le bouclier, ça protège pas du poison, hein. Bah c'est logique. Bah dans Monster Hunter 3 ça le faisait, voilà. Ouais bah c'était pas RP, voilà. Le bon vieux temps. Et ouais c'est vrai, Monster Hunter 3 c'est le bon vieux temps, c'est la vieille école. Alors vous remarquez aussi au niveau du son que on n'a pas notre micro encore, qu'on n'a pas notre gros micro Blue Yeti de la mort qui tue, qui coûte bien sa race chère. Oh. Bon vous voyez il se fait défoncer quand même hein. C'est mal, je suis mal. Oui. C'est le pareil. Temps de reprendre la flex. Alors tout simplement pourquoi, parce qu'on a 18 ans comme on vous l'a dit. Et il y a une putain d'absurdité sur PayPal. Ah, oh, d'accord. Putain, cet enchaînement. Il y a une grosse absurdité sur PayPal qui est donc c'est sur Cdiscount. On veut commander notre micro, on fait toute la manip et tout. Voilà, lié via PayPal, mais il faut relier une carte bancaire. Alors si vous êtes un minimum, si vous êtes un minimum dans le... si vous êtes un minimum majeur, j'allais dire. Non, mais si vous êtes un minimum inscrit, imprégné de ce qu'est la vie quand vous êtes majeur, PayPal, normalement, ça a été créé pour qu'on puisse payer sans carte bancaire. C'est un paiement en ligne. Il n'y a pas besoin de carte bancaire. C'est un paiement par Internet, quoi. Et donc, c'est totalement absurde que l'on ait besoin de relier une carte bancaire à ça, je trouve. Je ne vois pas l'intérêt. Donc, du coup, il va falloir attendre notre carte bancaire. Donc ouais, elle est commandée et tout, donc dans une semaine on devrait la recevoir. Et notre micro, en gros dans une dizaine de jours on l'a. Normalement il n'y a pas de souci à ce niveau là. Et on devrait vous faire des face commentary, la qualité de vidéo sera bien mieux, vous allez voir. Putain ça va, tu te fais sucer là. Faut que je me rappelle des combos. Ah, récupération de Vénit, il y a le plus 3 en plus. Ouais, il est complètement pété là, Kayan, voilà. Non c'est Chacha. Ça revient. Donc voilà, pour le micro, c'est dit. On va pas tarder à l'avoir, normalement, une fois qu'on aura notre carte bancaire.
Ah, voilà. Ça y est, Ça, c'est franchement. intéressant. Ça, je m'en souviens, ça y est. Ça fait mal. Très, très mal. Plutôt, oui. Alors, ensuite, est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Mirilis Action et de Fraps, tout ça, à cause de que la qualité de vidéo est moins bonne sur League of Legends? D'ailleurs, vous avez pu voir, il y a un event qui se passe ce soir, le soir où on tourne la vidéo, bien sûr. Cette vidéo sera upload le lendemain, bref. Alors, en fait, on s'est aperçu que ça venait pas du tout de Fraps, la mauvaise qualité de vidéo. C'est en fait au niveau du rendu Sony Vegas. Ça ne pouvait venir que là. Et mon frère a tritouillé dans les réglages. Alors déjà, première erreur, ce n'est pas en HDV 720. Si vous êtes dans Sony Vegas, vous comprendrez. C'était en un truc de merde, tout ça. Alors, on a trifouillé, enfin, il a trifouillé. Et il s'est aperçu qu'en WMV, c'était plus long le rendu. Mais c'était d'une qualité nickel. Alors, League of Legends va revenir. Pas souci à ce niveau-là. Du coup, il va y avoir du League of Legends qui va revenir sur la chaîne. Avec Fraps, vous allez voir que la qualité est nickel maintenant, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc du coup, Mirilis Action, très bon logiciel, on le prendra, mais pas de suite. Pas de suite. Alors, on le prendra, pourquoi payer pour un, alors qu'on pourrait avoir moins. Mais si vous saviez, mes cocos, si vous saviez que Mirilis Action, c'est vraiment 10 fois mieux que Fraps. C'est bien plus intuitif, la qualité est bien meilleure, et surtout, c'est beaucoup moins lourd au niveau du fichier. Je vous explique. J'avais filmé une game de 50 minutes avec Mirilis Action. Alors, avec Fraps, pardon, 1 minute égale 1 giga. C'est énorme. Avec Fraps, c'est énorme. C'est énormément gros comme fichier. C'est très très lourd. Je vous la fais en 10 000. Non, je vous la fais en une. Je vous la fais en une. Avec Mirilis Action, c'est 9 gigas. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, pour le rendu et donc l'upload, c'est beaucoup plus pratique. Alors, pour nous, c'est bien plus pratique et le logiciel est bien mieux, mais bien plus intuitif. C'est voilà, t'as ça, ça, tu veux filmer ton bureau, c'est ça, tu veux filmer les jeux, c'est ça. T'appuies sur la touche, hop, ça filme direct, ça filme Skype en double canot, nickel. C'est parfait. Ce logiciel est parfait pendant que Flo en chie. Non, mais là, ça me saoule, sérieux. T'aurais dû prendre une autre arme. Ouais, Hein. j'aurais dû prendre une autre. Mais on va faire un autre monstre après, je prendrai une autre arme. Fais gaffe, hein, ça commence à durer là l'épisode. On sait Ça pas, on dure verra. 13 minutes, c'est pas beaucoup. Attends, tu l'as pas fini, hein? Non, mais je fais épisode de 40 minutes. Hein. Putain, on n'arrivera pas à remplir le commentaire, mon coco. Oula, mon coco, ça fait très homosexuel, gay. Ah oui! Ah oui, mon coco. Non, c'est. Ne vous inquiétez pas, c'est. C'est entre frères jumeaux, vous ne pouvez pas comprendre, jeune ami. Alors, autre chose. Alors, j'ai vu récemment quelques querelles dans les commentaires. Quelques querelles de bas niveau, de. Il a raison, il pas raison. Notamment sur. Il y a eu une querelle sur Feed the Beast, je crois. Enfin, sur une vidéo de Minecraft. Mais sérieusement, vous êtes au-dessus de ça, les gars. Arrête. J'ai remarqué que c'est pas la première querelle. Hein. Il y a des querelles entre abonnés dans les commentaires. Ouais, ça se clash et tout. Mais arrêtez, sérieusement. Franchement, je vois pas l'intérêt de s'engueuler. Y a aucun niveau, voilà, ça fait gamin, c'est tout. Ça fait gamin, nous on le voit. Tous les commentaires, on les lit, faut pas croire. Ne postez pas un commentaire en espérant. Point, en espérant que vous lirez ce commentaire. Ne vous inquiétez pas, tous les commentaires, on les reçoit, on les lit. Normalement, à 95%, il y a peut-être possibilité sur les phases d'affluence, si je puis dire, que on ne lise pas certains messages qui passent à travers. Qu'il faut savoir que les commentaires. On ne les reçoit pas tous. YouTube ne nous les fait pas, ne nous les affiche pas tous. Hein, c'est le joyau de YouTube. Donc c'est pour ça que. On l'avait déjà expliqué. Ça. Ouais, on l'avait déjà expliqué, mais. Donc c'est pour ça qu'il y arrive certaines fois, bon, à 85% qu'il y a des commentaires qu'on lit pas, mais sinon, on les lit tous, on les reçoit tous. Pour l'instant. Donc arrêtez ces querelles, ça sert à rien. Franchement, on trouve que vous êtes une super communauté et ça vous dé. Comment on dit? Non, ça vous démarque pas, ça vous désagrège. Non, c'est pas ça. Ça vous rend moins bien, voilà. Vraiment, le Gigignox sur Monster Hunter 3 Ultimate avait vraiment été axé plus poison. Hein. C'est pas le pire. Et oui, c'est pas le pire en plus. Vous là, avez. C'est un poison de merde. Hein. À côté du Gigignox électrique, lui, non, du Gigignox Plus, pardon, lui, il peut aller se remballer. Hein. Ah ouais. Parce que l'autre poison il te bouffe, mais il te c'est tu vois ta jambe partir à fur et à mesure, tu vois. Ouais, c'était pas ça. Oui, c'était avec un mec qui était venu sur l'autre partie, mais on a mis un code, c'est bon. Tout va bien. Kevin. Donc voilà.
Donc j'espère que vous me prendrez bien quand même le changement. Moi franchement ça me dérangerait pas vis-à-vis de vous. Ouais, vous voyez, il lance vachement plus de poison, hein. Vous comparez avec Monster Hunter 3, il y a beaucoup plus de poison et surtout il est beaucoup plus dur à éviter. Non, c'est moi qui joue comme une merde. Aussi, oui, aussi. J'ai pas l'habitude de cette... Bah du coup tu changeras d'arme. Bah, écarte-toi. Ah, je tire. Ah oui, tu préparais ton gros coup, j'avais pas vu. Donc voilà. Alors autre chose au niveau de League of Legends cette fois, qu'il faut savoir que même si Galacticraft marche beaucoup, on ne fait pas nos annonces hein, là-dedans. D'ailleurs pour en venir sur Galacticraft, pourquoi il n'y en a plus ces temps-ci, c'est vous allez le voir dans le prochain épisode qui ne saurait tarder d'ailleurs. Vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Mais what? Ah ouais. Voilà, j'en suis pas tellement. Ouais mais tu t'aurais vraiment pu le torcher bien plus vite hein. Oui bah oui, avec une autre arme. Oui. Oui, oui, avec les doubles lames Myrillis. Ah oui, il serait déjà mort. Hein. Ouais. Enfin, deux fois même. Ouais. Non, ouais, mais elles sont tellement stylées en plus. Ouais, tellement pétées. J'en étais où? T'as été dans la League of Legends. Non, dans oui. Galacticraft. Oui, non, j'ai fini Galacticraft. Donc, League of Legends. Alors, tout simplement, si okay, vous ne le sauriez pas, sur League of Legends, il y a une limite de 300 amis. Que l'on ne peut pas dépasser, vu que c'est une limite. Captain Obvious, tu nous tiens, quand tu nous tiens. Attention, ça, tu peux t'en protéger, par contre. Donc il est limite de 300 amis. J'ai fait le compte, j'ai 286 amis. Alors autant vous dire que j'ai une moyenne de 50 amis connectés en permanence. Et donc inutile de vous dire que c'est ingérable. Complètement. C'est ça, à chaque fois que je me connecte, je me mets en absent. Même si je ne le suis pas et que je vais en game. Et même si il y en a qui voient ça, ils ne se gênent pas pour me parler. Alors, ça me dérange un peu de vous dire ça. Mais je pense vraiment à faire un tri. Genre j'élimine je vous élimine tous et je ne garde que mes amis avec qui je joue. Simplement c'est ingérable. Vous imaginez 4 ou 5 personnes qui vous parlent tout le temps en continu, même en game, même si je l'ai dit 2 ou 3 fois que je le mets en message League of Legends, si je suis en game chute, please. Et je le dis pas vulgairement hein, je dis chute, voilà, je vous dis pas vocal. Non, je vous respecte, y a pas de souci à ce niveau-là, je comprends que vous voulez jouer avec vous. Veuillez jouer avec moi, c'est normal, c'est compréhensible, je suis votre idole, je suis votre dieu. Comment ça? Comment ça, prétentieux? Je ne connais pas ce mot. Non, mais je comprends que vous voulez jouer avec moi. Déjà, il faut que vous sachiez un truc, je ne joue pas, je ne joue très rarement avec vous, j'en suis désolé. Et je joue avec les niveaux 30, donc si vous êtes en dessous de niveau 30, c'est même pas la peine de venir me parler. Je suis sec comme ça, je sais, j'en suis désolé. Mais c'est ingérable. Donc ce que je pense... Ce qu'on va faire, c'est que... C'est pas aussi rapide que la lance. Et ouais, c'est vrai que c'est... Malgré que c'est beaucoup de ressemblance, la lance flingue est beaucoup plus lente. Vous voyez, là tu le touches, hein, l'air de rien. Voilà. C'est quand même stylé la lance flingue. Hein. Stylé, mais c'est un style d'arme très difficile à jouer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est très peu mobile. C'est pour ça que c'est bien à jouer à plusieurs, la lance flingue. Je voulais vous montrer. Ouais. Ça voilà, j'arrête pas de faire chier, vous allez dire ouais mais ouais, on l'a pas vu la lance. Ah bah voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que je pense que je vais organiser de temps en temps des events lol pour que vous puissiez jouer avec moi. Et il n'y a même pas besoin que vous m'ayez en ami pour ça. Donc à mon avis je vais faire un tri. En plus il y en a genre la moitié que je ne vois jamais connecté. Voilà, c'est souvent les mêmes qui me parlent et j'en suis désolé mais c'est saoulant. Même sur Skype, je vais faire un gros tri, je pense. J'en suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé, mais faut que vous vous mettiez à ma place. Imaginez, vous avez 280 amis, que vous ayez tout le temps 50 amis de connectés, vous en avez 3 ou 4, même qui vous parlent en game. Hein. Y en a qui le savent toujours pas, mais si je suis en game, ils me parlent quand même. Hein. C'est vraiment très relou, surtout que je me suis mis à faire des ranked et je suis passé en silver. Vous en avez rien à foutre de ma vie, je sais, on est sur Monster Hunter 3 Ultimate. Mais voilà, c'est pour vous dire que, à mon avis, si vous ne m'avez plus dans votre liste d'amis, c'est normal. Et j'en suis désolé, et je veux me rattraper sur les events lol, on fera plus de 3 games dans les events lol. Voilà. Et surtout, soyez nombreux si vous voulez jouer avec moi, c'est la solution pour jouer avec moi, voilà, tout simplement. Voilà, ceci étant dit, j'ai plus grand chose à dire personnellement. Bah, tu vas m'en passer le micro ? Bah, allez, je te le repasse, allez, c'est parti. Hop. Bientôt, il y aura plus besoin de faire ces transferts de merde, on aura le micro Yeti Blue qui coûte assez cher, mais... Avec le pop-up. Avec le pop-up, ouais, enfin, voilà, c'est compliqué, c'est... C'est chiant. Donc voilà, le Giginox est plié. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va changer d'arme et on va poutrer du genre. Parce que là, il y en a marre. J'avais quand même envie de m'en montrer. Je suis une grosse merde avec les lance-flingues. J'ai toujours eu envie d'essayer, mais je suis une grosse merde avec. Donc c'est du coup, c'est stylé.
Mais du coup, je veux montrer un gameplay un peu plus bourrin, un peu plus stylé. Donc du coup, là, on en est où? Merde, à la foutre de ça. Je suis rang 41 ou 48, je sais jamais. 41. Et voilà, le Baryote. Alors le Baryote, c'est une créature malfaisante que je n'aime pas, que j'ai envie de poutrer. Donc celui-là, je sais pas, j'ai envie de lui faire du mal. Donc du coup, on va prendre une autre arme. Franchement, moi je trouve que c'est mieux ce style de gameplay, parce qu'on peut vous montrer différentes armes du jeu, que ça vous donne en plus envie de jouer. On a... Ah, oula, 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 la connerie que je viens de faire. Alors là, tout de suite, vous lui dites, oh là, il y a envie de jouer, il s'est fait payer par Capcom, quoi. Mais si vous saviez, mais comme Capcom, on a rien à foutre de nous, mais alors complètement. On n'a aucun lien avec Capcom, ni rien, on ne se fait pas payer, on ne se fera jamais payer pour faire la pub d'un jeu. D'ailleurs, j'aimerais dénoncer quelque chose, mais à mon avis, je vais avoir des retours mauvais. Donc non, ne dénonce rien. Bref, si vous inquiétez pas, c'est pas très important. Prenez des pas conneries. Alors ça, c'est les, voilà, c'est ce qu'on en parlait. Ça, c'est des doubles lames, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, oui, c'est des doubles lames version point américain. Et voilà. Alors toi, j'ai envie de te faire du mal. Je sais pas. T'es là, t'es sur mon passage. J'ai envie de te piétiner, de te dire pardon et que tu crèves la gueule ouverte. En gros, on va trébucher sur un truc. On va dire oh, merde. Je vais trébucher sur ton cadavre. Donc, ouais. Il faut juste des breuvages. Non, je vous disais envie de jouer parce que d'aller en multi, etc. Si vous avez le jeu, bien sûr, je vous incite pas à l'acheter, au contraire. Vous l'achetez si ça vous fait plaisir. Mais en tout cas, voilà. Donc, vous pourrez peut-être même nous retrouver en multi, par chance. Par chance, ouais. Bah, il y en a déjà, hein, il y en a déjà qui m'ont. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc voilà, et bah écoutez, on est parti pour un petit Baryote. Alors j'espère que vous serez pas trop déçus. Pas de par le fait qu'on. Bah que voilà. On... Bah c'est ça ou pas de Monster Hunter, c'est ça. Voilà, c'est. Ou alors c'est... à intervalle de 20 jours. Voilà, exactement. Donc pour ceux qui aiment du Monster Hunter, et puis je pense que c'est plus intéressant de regarder ce style de gameplay. Franchement, moi j'aime. Enfin, c'est bien d'avoir les débuts et tout ça, de voir l'histoire. Mais bon, pour ceux qui ont pas envie de se faire spoiler l'histoire, mais qui aiment quand même regarder du MH, je pense que c'est mieux comme ça. Concrètement, l'histoire, bon, il y a l'histoire. Bah, c'est la même. Bah, vous allez regarder Monster Hunter 3 qu'on a fait, puis voilà, c'est concrètement, c'est la même. Puis concrètement, c'est voilà, c'est tu. Voilà, oh, il y a lui qui nous fait chier, va le déglinguer, oh, tu l'as déglingué, merci maintenant, il y a lui, oh, tu l'as déglingué, maintenant, merci, il y a lui. Bon, voilà, c'est pas non plus. Monster Hunter 3 n'est pas basé sur l'histoire, hein. C'est plus vraiment le gameplay au niveau des monstres. Bonsoir! Bon, vous aurez pas les cinématiques, mais je pense que vous en battez les couilles. Littéralement. Je pense qu'on pourrait faire un montage. Et non, que... la flemme. Non, mais vite fait. Genre les monstres qu'on n'a pas fait, bon le Baryote vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, mais pour les monstres que vous n'avez jamais vu, qui sont exclusifs à Monster Hunter 3 Ultimate, vu que t'as les cinématiques dans la galerie, on les filmera, on les mettra juste avant qu'on entre dans la zone, et puis après on vous fait le... Ouais voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Non, je veux rester sur ce plateau, bordel, ne t'envole pas. Champ violet quand même, hein, c'est le dernier. Elle est améliorée, elles sont améliorées en plus je crois. C'est possible. Mais je crois bien les avoir améliorées en plus, c'est ça le pire. Bah, je les ai fait une fois, je les ai améliorés une fois et je sais même pas si on peut encore. Bon, je regarde d'ailleurs. Alors, pour, moi, il y a une armure que je rêverais d'avoir, mais qui est ultra chaude à avoir, c'est l'armure Myrillis. Elle est tellement classe. Bon, au niveau des talents, c'est de la merde, mais je m'en fous des talents, je l'utilise jamais. D'ailleurs, ouais. Je trouve que ce qui est con, c'est qu'elle est rose. Oui, non, mais tu peux la. Ouais, elle est rose alors que le Myrillis est noir et orange. Ouais, gris, noir et rouge, orange. Noir et orange, elle aurait tellement été plus stylée. Oh, ouais. Carrément, je la vois. C'est vrai, quand je l'ai vu, je dis pourquoi cette couleur. Alors que là, le Gen Moran légendaire, c'est normal, c'est cette couleur. Hein, le Gen oui, le Gen Moran légendaire, il est cette j'ai couleur. J'ai pas compris pourquoi ils avaient mis cette couleur. Ouais, ouais, ouais. Ça n'a elle... aucun rapport. Ça fait corail rosé, enfin voilà, ça fait très bizarre. Rosé violet, ouais. Et puis j'ai été très déçu. La forme, elle est carrément stylée, hein, la forme et tout ça, il n'y a pas à dire, mais là, au niveau de la couleur, il y a encore du boulot. Ouais, c'est con. Je suis censé prendre cher. Voilà. Premier signe de faiblesse. Hein, je veux, oui. Ben oui. Ah merde. du gland. Voilà. Pardon. Le gland m'a tout... Oh, vas-y. Pardon. T'es baisé. Là, je suis baisé. Vous voyez, la résistance qu'il a, il prend rien. Quoi. Au ouais, moment, mais... on ne payera pas. Ouais, c'est pas dit, hein, c'est pas dit. Pour les premiers monstres. Pour ces monstres là, oui, après, voilà. Encore, vous dire, ouais, mais ces armes, faut cheater. Oula, attendez, les gars, il y a plus fort. Pourquoi il y a plus fort? Bon, lui, certes, il craint le feu. Déjà, mais or, tous les monstres craignent le slime.
Ah, là, le slim c'est tellement craqué comme élément. Oui, parce que personne, aucun élément. Monstre n'a une résistance, il a une résistance. Même le Brachidios, qui est l'élément du slim, n'a pas de résistance à son propre élément. Faut vous dire à quel point c'est cheaté. Donc certes, il y aura toujours une petite résistance qui se fait de la part des monstres, qui auront toujours de l'eau, du feu, tout ça. Mais le slim, personne, n'y a que dalle. C'est pour ça que c'est cheaté, donc on aurait très bien pu prendre les doubles lames Brachidios, ouais. Et je les ai, en plus elles sont bien améliorées, pas à fond, mais elles sont bien améliorées. Une ou deux fois je crois. C'est simple, en fait, plus vous tapez, plus le slim devient rouge et au bout d'un moment ça explose. Et ça, ça fait mal. Ah ouais, ça fait tellement mal. C'est des dégâts purs, c'est simple, c'est des dégâts purs. Ouais. Il y a qu'une résistance. Il me semble bien, bon on dit peut-être une énorme connerie mais ça fait ça très mal. Logique. Ça paraît logique mais c'est tellement cheaté, pour ceux qui jouent à Monster Hunter 3 Ultimate, c'est tellement cheaté. Vous voyez que ça presque. Enfin, moi, là, ça a peut-être changé, parce que ça fait un moment que je suis pas allé en multi. Mais moi, de quand je jouais, on voyait que ça, que des armes. On partait des fois à 4, mais avec une arme différente. Il y en a, il avait un marteau, l'autre, il avait la... La longue épée qui est carrément stylée. La longue épée, elle est carrément trop stylée. Non, mais tu l'as ? Non, je l'ai pas. Ah, c'est con, mais je la montrerai, au pire. Ouais, je pense que t'as suffisamment fermé le Brachidios pour la... J'ai l'armure, ouais, j'ai l'armure complète. J'ai pas la plus, j'ai commencé à la faire, je crois, mais... Mais je crois que j'ai l'armure Brachidios complète, pas la simple, pas la plus. Donc, écoutez, je me suis pas soigné là. Non, je me suis pas soigné. Eh ben écoutez, je vais essayer de pas me soigner durant cet épisode. Bon, sauf cas extrême, bien évidemment. Mais là, je vais essayer, voilà, de... T'as commencé les défis direct. Ouais, direct. J'aimerais bien lui couper la queue. Je vois. Tu vas en faire quoi maintenant de la queue? On sait jamais, ça peut servir. Bah pour faire des armes et tout, pour l'améliorer. Parce que là faut vraiment tout prendre en fait. Faut vraiment tout prendre en fait là. Même si vous vous dites ouais ça me servira jamais, bah prenez-le. Dans Monster Hunter 3 je vous aurais peut-être pas y a dit quand même, ça mais... Je me rappelle, il y a une question quand même sur Monster Hunter 3, c'est où tu trouves le minerai de fer. Ah, je sais pas, intéressez-vous au minimum au jeu avant de demander. Monster Hunter 3. Oui, non, mais avant de... Non, surtout, c'est le mec qui te le dit, quoi. Normalement, le forgeron, il te dit, ouais, allez me chercher un minerai de fer. Ouais, je vais peut-être me soigner, quand même. Il dit, allez me chercher un minerai de fer, et il te dit où c'est. Voilà. Non, mais genre, vraiment me soigner, là. Ouais. Parce que là, je suis dans un angle, je suis très mal positionné. Bon, tant pis, écoutez, les défis, on verra une autre fois. Mais voilà, les défis, je les reprends. Alors, ne m'en dites pas tout de suite dans les commentaires. On va attendre un petit peu d'avancer, voilà, de vous avoir... Pour ceux qui n'ont pas le jeu, de vous faire voir un petit peu tous les monstres. Pour savoir lequel vous avez envie de voir en défi. Bon, t'as fini de me poutrer là? C'est pas parce que je t'ai poutré que voilà. Non mais oh. Ah mais merde. C'est pour ça que j'aime pas ce plateau, il est trop petit. Enfin, je sais pas, on se retrouve vite coincé en fait. Ah ouais. Ah ouais. Bah, concrètement, bah, c'est ça, on a fini le Giginox à 20 minutes. Ça fait 28 minutes. Écoute. En 7 minutes, je l'ai poutré. Je sais pas si j'en fais un autre. Je vous... Moi, non, je... récupération de vie quand le monstre est fini, hein, je t'ai précisé. Toujours aussi efficace. Voilà, donc on va peut-être pas aller trop loin dans les monstres, on va peut-être couper là maintenant parce que... voilà, ce fera un bon épisode de 30 minutes pratiquement, hein, donc c'est pas trop mal. On vous a dit beaucoup de choses, donc réagissez dans les commentaires. J'espère franchement que vous serez réceptifs au niveau de ce qu'on... De ça, justement. Parce que moi, j'ai... Là, franchement, j'ai le goût de tourner avec ce perso. Mais avec l'autre, j'ai aucune envie. Franchement, avec Lara, j'ai aucune envie. Vous voyez, je changeais plus d'armure. J'avais toujours les mêmes armes. Il n'y avait aucun intérêt. Alors que là, il y aura du gameplay différent. Il y aura des armes différentes. Il y aura des armures différentes. Il y aura des monstres différents. On pourra inviter des gens. Bon, on va vous le dire. On avait pensé à inviter Itachi, pour ceux qui le connaissent. Ou alors, voilà, à participer. Il ne répond pas pour l'instant. Il a répondu positivement un coup. Puis là, on lui a proposé. Je sais pas, il répond pas. Bon, c'est pas grave. Itachi, pour ceux qui connaissent pas, c'est un grand de Monster Hunter 3. Monster Hunter. Niveau, hein, il a 7000 abonnés aussi. Oui, voilà, il est notre niveau. Puis... Et on les a atteints, les 7000 abonnés. Ah oui, d'ailleurs, oui. Oula. On a pété le slip. Merci, ouais, aux 7000 abonnés, d'ailleurs, effectivement. On a atteint les 7000 abonnés. Ça va à une vitesse, mais hallucinante. Ouais, putain, entre les 6000 et 7000, c'est. C'est tellement allé vite. Donc voilà, un gros merci aux 7000 abonnés, ça fait super plaisir. Et puis écoutez, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas voilà, à débattre un petit peu de tout et de rien dans les commentaires. Pas de querelle. Mmh. Un message d'un abonné. Oui, c'est un abonné. En plus, lui, il est super sympa. Une place. Sorin, ouais.
Lui, il est super. Franchement, il est super. C'est un de mes préférés. Je vais malheureusement devoir lui dire non parce que faut qu'on aille, comme on a eu notre permis, faut qu'on aille chercher les papiers et tout ça. Donc, je ne peux plus jouer à partir de maintenant. Donc, non, on va lui répondre. Voilà, tu seras en vidéo. Je ferai des monstres avec lui. Lui, c'est sûr, parce qu'il est tellement sympa. Et je pensais pas qu'il jouait encore. Donc lui c'est sûr je ferai une vidéo avec lui. Alors je sais pas s'il a Skype ou tout ça, mais je ferai une vidéo avec lui. Ok, écoutez, merci d'avoir regardé. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye à tous. Bye.